l'arabe. Écrase, personne n'y croit que t'es un vrai arabe. Montez. Avec tout mon bazar? Quel bazar? Peu importe. Vite, montez donc. Puis-je avoir du feu, je vous prie? Oh, pendant ma sieste l'été, il m'arrive souvent de me réveiller avec une terrible envie de fumer. Mais comment pouvez-vous supporter vos vêtements? Oh, moi, rien que la vue d'un homme habillé me donne encore plus chaud. Mettez-vous à l'aise. Déshabillez-vous. Hein? Ah oui, que par une chaleur pareille, on est tout de même mieux en petite tenue. Ah oui, faut reconnaître, mais... Non, non, et non, de grâce, ne commencez pas avec les mais. D'autant plus qu'il me semble difficile à dissimuler que vous m'avez l'air assez excité. Oh. Bah, à vous voir comme ça, hein, on n'est pas de bois. Moi, je n'ai pas votre énergie pour penser à s'épuiser à l'idée de... Oh non, par une telle chaleur et à une telle heure. Oh, c'est étouffant. Dites-moi, de quel pays êtes-vous? Du Maroc, sans doute? Non, d'Italie. L'éventail, par pitié. L'éventail, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. L'éventail, voyons par quel bout. Voilà, ça y est. Eh bien, allez-y, éventez-moi. Moi? Oui, remuez-vous. Oh. Faites-moi du vent. Faites-moi du vent. Ah, oui, oui, voilà. Laissez-moi faire. Oh, oh, j'aime ça. Oui, ah oh, oui. Oui, ah oui, c'est bon, oui. Je voudrais vous demander une chose. Ah oui, mais ne vous arrêtez pas. Ah, excusez-moi. Voilà, ce qui m'intrigue, c'est de savoir, pour la photographie, comment vous l'avez déposée et traînée sur la plage? C'est le petit garçon. Mais quel petit garçon? Celui qui vend des boissons fraîches sur la plage. Je l'ai payé pour qu'il mette ma photo bien en vue sur le sable. Parce que j'avais besoin de feu. Ah, une sorte d'appât. Exactement, oui. En l'occurrence, vous m'avez dragué. Oh, écoutez, j'ai horreur des expressions vulgaires. Non, non, je ne voulais pas. Aviez-vous mieux à faire cet après-midi? Non, absolument pas, non. J'espère que ce n'est pas trop abusé de votre gentillesse. Il fait une telle chaleur. Ça ne me déplairait pas du tout de faire encore plus. Vous devez être un homme serviable. Eh bien, inventez-moi encore. Je suis gentille, vous serez peut-être récompensée. C'est bon, oui. Ah oui. Oh, que j'aime ça. Plus fort. Ah oui, oui. Oh, j'aime, vas-y. Oh, tu me fais du bien, oui. Oh, oui. Oui. Oh, plus fort. Plus fort. Et qu'est-ce qui se passe? Votre main est bouillante. Il n'y a pas qu'elle de bouillante. Ah. Servez-vous de mon coupe-papier. Hein, de quoi? Pourquoi? Oui, la lame doit être fraîche. Posez-la sur mon front. Oh. Oh. Comme ça? Oui, oh oui. Je tiens à me montrer. Voilà, je vais prendre une douche froide. Et puis je pourrai peut-être vous satisfaire. Merci, vous êtes trop bonne. C'est très normal. Je risquais de mal tomber, je le sais. N'importe qui pouvait ramasser la photographie. Ça, c'est certain. Vous avez quel âge? 34 ans. Bon, ça aurait pu être pire. Dites, si vous étiez gentil pendant que je vais prendre ma douche, ça vous ennuierait de mettre un petit peu d'ordre? C'est idiot, mais quand c'est en désordre, moi, ça me donne encore plus chaud. Retapez un peu le lit, mettez les coussins bien en place. Je reviens. Ouais. Mais qui c'est celui-là? Madame. Mais qu'y a-t-il? Dans la chambre, il y a un homme qui dort par terre. Oh, qu'est-ce que vous racontez, ça ne rime à rien. Ah, c'est pourtant vrai. Allez voir ça de plus près. Ah, je veux bien. Hey, monsieur. Hey, monsieur. Bah, allez, réveillez-vous. Hey. Hey. Oh. Merde, il est mort. Madame! Dites, dans la chambre à coucher, le type, il est mort. Ah! Assassin! Ah, mais dites, je... Oh, restez où vous êtes, ne m'approchez pas, c'est monstrueux. Oh, c'est affreux, c'est vous. Oh, les mains, fais pas le mariole. Mais j'y suis pour rien, moi j'ai juste ramassé la photo par terre sur la plage et puis... Mais oui, c'est ça, en attendant, tu vas venir gentiment avec nous et puis on en reparlera. C'est terrible. Oh, oui, j'ai appelé la police, j'ai entendu crier. Je l'avais vu passer et il m'avait fait une très mauvaise impression. Il a assassiné la femme aussi? Non, la femme n'est pas morte, elle est simplement évanouie. Puis-je la porter sur son lit? Peut-être qu'un peu d'air suffira. Il faut l'éloigner du cadavre de son pauvre mari. Que vont-ils faire à ce pauvre arabe? Oh, il s'en tirera avec 10 ans, rassure-toi. Même qu'il y gagnera. J'ai connu dans le temps un gars qui, entré en prison ignorant, à sa sortie, était devenu professeur. Remarque, je te comprends. C'est con d'écoper 10 ans de tôle pour une nana qui a buté son Jules. Ça vaut le coup de prendre 10 ans, je t'assure, pour une femme comme celle-ci. Oui, je le referai. Tu déconnes? Tu dis ça parce que les 10 ans sont passés? Ah, oh, vous dites ça parce que vous êtes que des cons. Vous risquez pas d'avoir une femme d'une telle classe, ça vous dépasse. Elles se valent toutes, oui, toutes des salopes. Non, oui. Hey. Depuis qu'on m'a foutu en tôle, nuit et jour, j'arrête pas d'y repenser. Oh, j'en ai parlé au Toubib, je lui ai dit que je suis prêt à éclater. Il faut que je me soulage. Et comme on dit, le plus dur est fait. Ouais, la semaine prochaine, à peine sortie, tu peux t'envoyer des putains. Espèce d'enfoiré, t'es vraiment le roi. Mais je m'en fous des autres, connard. C'est seulement celle-là que je veux baiser, t'entends? J'en veux pas d'autres. Ah. Jojo s'est bien démerdé, il m'a procuré l'adresse, j'irai aussi sec. Je vais lui faire une surprise. Quand je vous dis que ça, ce coup-ci, ce sera sa fête. Sans blague, tu vas la tuer. Pardon, c'est bien ici qu'habite mademoiselle Martucci? Monsieur Fioroni? Ah oui. Mais qu'est-ce qui vous l'a dit? Mademoiselle a dit de vous faire monter, monsieur. Elle est seule. 5e étage, appartement 12 à droite. En sortant de l'ascenseur, la première porte à votre droite. Il y a quelqu'un? Venez! Où êtes-vous? Ici, en haut. Enfin, cher monsieur, voilà 10 ans que je vous attends. Je commençais à m'impatienter. Si seulement ça n'avait tenu qu'à moi. Cela a l'air d'un reproche. On en ferait à moins. Avouez que j'ai de quoi. Dites-moi, mais c'est une manie, vous êtes encore couvert. Il y a de quoi étouffer. Ah, c'est terrible, le seul fait de vous voir habillé me donne chaud. Je garde mes vêtements, si vous permettez. Vous voulez vous venger? Hein? vous avez décidé de me tuer. Mais faites donc, je vous en prie. Ou peut-être voulez-vous me prendre de force, abuser de moi. Sauf erreur, nous devons bien régler un compte avec intérêt. J'ai eu mal à la tête pendant 10 ans et 11 jours, rien qu'en pensant à vous. Bon, je vais payer mes dettes. Mais il fait une telle chaleur. Ne comptez pas sur mon ardeur. Je suis morte. Ne parlons pas de beurre, hein, je vous en prie. Si seulement vous avez libéré en hiver, ou à la rigueur au début mars. Surtout qu'il n'a pas fait tellement chaud au printemps. Il y a des choses qui font frissonner au mois de juillet. En ce cas, je vais me rendre. Déshabille-toi. J'ignore comment tenir par une telle chaleur, mais si on se déshabille, je pourrais peut-être supporter cette épreuve. Non mais écoutez-moi bien, cette fois, chaleur ou pas, j'ai l'intention d'aller au bout. Je crois avoir fait preuve d'une patience suffisante. Très bien, j'obéis, c'est vous le maître. Vous allez rester bien sage. C'est à moi de jouer. Vous allez faire ce que je veux. C'est compris? Oh, c'est bon, ce métal est froid comme j'adore. Eh ben, tant mieux, ça te rafraîchira. Mais à présent, ma jolie, je vais te sauter. Oh, oui. Oui, viens. Oh oui, vas-y, prends ton esclave. Prends ta prisonnière. Oui, ma chatte. Oh, oui, viole-moi. Ah oui, punis-moi. Oh, fais-moi mal. Ah oui, ma chatte, tu vas voir. Tu vas gueuler. Oh. Tu vas voir ça. Laisse-moi faire, ma jolie. Oui, tu vas t'en prier. J'ai de quoi faire. Il y a 10 ans que j'attends. Je vais me rattraper. Tu vas voir ce que je vais te mettre. Tiens, allez, t'habiller. Il me semble rêver. Je vais faire durer. Oh, ce que tu veux. Merde, la garce m'a encore roulé. C'est bon ce coup-ci, j'ai aucune envie de me défendre. Il y a un macabé. D'accord, ma jolie, j'avoue, c'est moi qui l'ai tué. J'ai pris le pistolet, j'ai mes empreintes partout, il n'y a pas un truc que j'ai pas touché. J'ai laissé mes empreintes sur tout. L'enquête sera brève et concise. Quel salaud! Dès que je l'ai vu monter, j'ai pensé, il faut appeler la police. Il a l'air louche. Pauvre mademoiselle, c'est trop. Effectivement, c'est un peu beaucoup. Faut être le roi des cons. Il n'y a que moi pour ça. Se taper 20 ans de prison pour une partie de jambes en l'air. Il développe complètement. Oui, mais si je converge assez pour tenir, dans 10 ans, ma salope, je te garantis qu'on se retrouvera. Tu viens au lit? Allez, déshabille-toi. Pas de dodo aujourd'hui. Tu sais, je ne t'invitais pas à dormir. À quoi bon te coucher, puisque c'est ça? Qu'est-ce qui te prend? Mais rien, pourquoi? Qui c'est, ce type? Est-ce que je sais? Hein? On dit ça. Moi, je demande à voir. Vas-y, descends dans la rue et passe donc sous son nez que je vois comment il réagit. Ça m'intrigue. Tu m'entends? Dépêche-toi, allez, vas-y. Mais non, pourquoi? On n'a qu'à faire la sieste. Fais comme je te dis ou je ne réponds de rien, tu m'as compris? Très bien. est satisfait. Ne me raconte pas d'histoire, c'est ton amant, tu prends pour qui? Vous avez convenu d'un code, à vous. Qu'est-ce que je te dis que je ne sais pas qui c'est? Tu es malade. Oh, lure. Oh là là, tu recommences avec tes inventions qui ne riment à rien. Et c'est avec ce type que madame me trompe. Ça explique ton indifférence à mes avances, ton apathie, ton ennui permanent. Hein? Reconnais que vous vous êtes payé ma tête. C'est bien lui. Alors, tu es convaincu que je n'éprouvais rien pour lui? Tiens, voilà, je te rends ton arme. Maintenant, débrouille-toi avec la police. J'ai toujours été une épouse fidèle. L'affaire du collier. À l'hôtel du casino, le fameux collier d'$1 million. La police et les compagnies d'assurance sont en état d'alerte. Il s'agit d'un dangereux défi aux plus redoutables voleurs internationaux. Quelque chose. Comment? Oh, tu m'as fait peur, toi. Je me présente, je suis le secrétaire de la princesse. Pourquoi vouloir entrer dans cette chambre la nuit? Tu vas me donner un fartus, jeune homme. Ma chambre, c'est là. Et ma clé, voilà. Regarde bien. Correspond les numéros. Tu vois bien les numéros et les marqués dessus. Laisse-moi voir cette clé. Ah, 89. Combien, tu dis? Oui. Quel numéro? Oui, ça si on le met à l'envers, évidemment, ça fait 68. Donc, ma chambre? Ça peut prêter à confusion. Confusion. Alors ça, c'est confusion. On dit comme ça? On dit comme ça. Oh, comme c'est amusant. 68 au 89. Oh, il a raison. Scusi donc, bonne nuit. Bitte schön. Tenez, votre clé. Oh, merci donc. Ça ne me dérange pas, parce que moi, j'ai l'habitude, vous comprenez? Je joue toujours, maintenant, de nos jours, on voit amateur, toujours amateur. On ne vient pas au casino, voilà. Moi, j'ai l'habitude, vous comprenez, moi, on ne va pas me raconter des histoires. J'ai l'impression que vous aviez tellement l'habitude. Oh, pardon, madame, pardon. Non, mais vraiment, écoutez, bon, j'avais dit, oui, chevaux et carré, oui. Rien ne va plus, rien ne va plus. Non, il y a petite erreur. Non, le 8. Non. Oh, non, mais 30 ans que je joue au casino. Je n'ai pas le son à recevoir, moi, de vous, non? Rien ne va plus. 36, rouge, paire et passe. C'est à moi. Oui, j'ai gagné. Bravo. Pour le personnage, s'il vous plaît. Moi, connaître ton mignon secrétaire. Oh, mais je n'ai aucun secrétaire. Mais tu n'as pas secrétaire. Faites vos jeux. Ah non, j'ai pensé plus sortir 8 parce que, comment dites-vous déjà, manque dépôt, c'est bien le mot. Oh, mignon. Ma puce a bien tout mangé. Les bons biscuits, tout mangé. Mignon. Mignon. Oh, tout petit mignon. Oh, combien de biscuits mangés, tout joli. 3 seulement, lui droit. 4. Je pensais que ça suffisait. Bien montez-le pour manger biscuit, le trésor à sa mère. Les jeux sont faits. Oh, mais quel mignon trésor. Et ça sort le 8, ça passe. Et la première bouse. On a volé mon collier. Oh, mais c'est à commenter. Au voleur. Oh, on m'a volé mon collier. Vous n'avez rien vu. Ne vous appelez pas, madame. Oh, c'était incroyable, un collier. Mais moi, me moquer de ton collier, moi, j'ai aussi. Moi, j'ai bien de tenir mon collier, on n'a pas volé le mien. On a volé le mien. Oh, toi, tu n'as plus, alors je ris. Regarde la belle saucisse. Tiens. Hein? Va te faire foutre, t'as le kleps. Viens ici, mignon. La mignon. Alors, ça a marché? Hein? Comment il n'y est pas? Mais non, il n'y est pas, je t'assure, il n'y a rien. Voyons, regarde bien. Mais c'est impossible, j'y voyais plus. J'ai pu lui mettre ailleurs. Fouille-le, regarde mes mouches penses. Tu m'entends? C'est une telle boule de poils et dans la confusion. Eh bien... Eh bien non, il n'y a rien, il n'y a rien. Oh! Mais comment il l'a perdu? Et je me demande. Mais qui? Oh. Oui, j'ai une place retenue pour l'avion de Zurich, celui de 4 heures. Vous pouvez me confirmer? Merci. Première classe, oui. Non, j'irai directement à l'aéroport. Dites, faites préparer ma note. 3/4 d'heure avant. Bien, merci. Enfin seul. Oh. Oh, bonsoir. Bonsoir. Ah, ce n'est pas une nuit à dormir. À vrai dire, je n'ai pas essayé. Moi, si, mais sans le moindre succès. On ne doit pas dormir par une nuit si claire. C'est une hérésie. Car elle est belle, mystérieuse et douce. Comme vous l'avez bien dit. Ah oui, j'avoue. J'ai failli faire du cinéma. Vous pourriez, seul? Mais nous le sommes tous un peu. Bonne nuit. Pourtant, il arrive qu'on se rencontre quelquefois sur une terrasse. Vous croyez au rendez-vous d'amour sur une terrasse? Ben, Juliette et Roméo. Mais oui, absolument, qui pourra en douter? Moi, je vous offre cette fleur. Oh, maladroite que je suis, j'en prends une autre. Merci. Mais vous voyez... J'en ai déjà mis une là-bas. Prenez-la, je sens que votre présence me fait du bien, m'apaise. Vous connaissez? Et non. Mais si, on les appelle... les roses de nuit. Roses de nuit? Ou belles de nuit, oui. Enfin, ça dépend, dit les deux. Et on les appelle ainsi parce que il paraît qu'elles s'ouvrent dans l'ombre de la nuit. Et meurent aux premières lueurs de l'aube. Dommage. Ça me touche. Merci. Pas de quoi. Vous êtes également une belle de nuit et... Comment ça, de nuit? De nuit et de jour, j'avais pas terminé, de toujours. Ah. Oh, montrez ce profil que je vois. Eh ben, oh, mais voyez ça. Oh, mais quel visage extraordinaire, vous êtes notaire, hein? Oh, quel beau métier. Je fais notaire? Oui, oh, à première vue, j'ai pensé que vous deviez être écrivain. Parce que, vous savez, écrivain, notaire, ça se ressemble énormément. Sauf que les écrivains sont plus égoïstes. Et vous devez être bon, oh oui. Vous êtes si bon. Oh, comme je me sens bien nichée entre vos bras ce soir. Oui, moi également. Quelle belle surprise. Oui, mais j'étais triste et je me suis laissée aller. Qu'allez-vous penser de moi? Mais rien, enfin la vérité. Non. Oui, vous n'êtes qu'une malheureuse qui souffre. C'est ça, qui souffre. Oui, seulement pour un étranger qui nous verrait, il ne comprendrait pas. On ne fait pourtant rien de mal, on avait besoin d'un peu de chaleur humaine, c'est tout. C'est tout. On n'a rien à se reprocher. Mais non, rien du tout, c'est sûr. Et... Oh, vous êtes tellement charmante. Oui. Vous aimez danser? Oui. Mais pourquoi avez-vous éteint la radio? Remettez-la. Non, c'est mieux comme ça, sans musique. On n'a pas besoin de suivre. Comment on fait? On fait... Appelons ça le blues en liberté. Enlacé. Oui, serré. Oui. Ah, imagine, un rythme très lent, un peu cool, un peu rock. Oui. C'est bien, hein? Tu aimes ça? Oh, merveilleux. Ah, moi qui me sentais inutile, je suis heureux. Je plane. Je nage en plein bonheur, tu me combles, je crois rêver. Tu vois, c'est oui. Bizarre, je ne t'aime que depuis... Ah. Mais enfin, quoi bon te dire tout ça? Non, ne dis rien, je t'en prie, on est si bien ainsi. Comme dit la chanson, je t'aime moi non plus. C'est amusant et un peu affecté. La musique est presque finie, on pourrait peut-être rentrer. Oh non, la mienne n'est pas finie. Garde les yeux fermés. Ah, oh, mais tu n'es plus du tout homme sûr, méfie-toi, tu m'écrases le pied droit. Ah. Faisons durer ces instants de plaisir. Mais à l'intérieur, ce sera plus intime. Oh non, j'ai peur. Oh chérie, sois patient. Oh viens. Mon Dieu. Oh, nous voilà espionnés. Mon Dieu, cache-toi. Ciel, si c'était mon mari. Ah, ah, ah. Mon mari. Oh. On dirait plutôt un prêtre. Ah. C'est pire, bien pire. Oh. Pourquoi? Tu le connais? Non, mais... Eh ben, mais alors, à quoi bon t'inquiéter? Il me juge, je le sens. Il me condamne. Oh, j'ai honte. Mais quelle importance, allons. Viens là. Tu as vu? On l'a offensé. Il est parti. Mais tant mieux. Allez, viens, ma chérie. Oh non, non, non. Je t'en prie, non. Ce prêtre a détruit l'enchantement. Je suis trop bouleversée, non. Oh. Mais dans mes bras blottis-toi. Non, oh, pardonne-moi. Oh, laisse-moi seule à mon rêve évanoui auquel je repenserai toujours. Ah, mais tu me plottes les fesses? Hein? Eh ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ça devait arriver, moi j'étais un peu, c'est normal. Oh, je n'ai pas de chance, ça c'est bien moi ça. Je parle d'amour et vous pensez tout de suite au cul. Oh. Je t'assure que je ne voulais pas offenser ni tes convictions, ni ta pudeur. Non, 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 va-t'en, laisse-moi. Bonne nuit. Ne reviens plus, va-t'en. Mais écoute. Adieu. Oh la vache. Parle, où je peux trouver ta complice? Dépêche-toi, j'ai un avion à prendre. Il y a une place libre. Non. Excusez-le, ma sœur, il ne sait pas ce qu'il dit. Ce n'est pas un péché, tu sais, t'en veux. Ah. Oh. Pipi, pipi. Madame, il a envie de faire pipi. Il a dit pipi. Tiens, un père. Allez, vite, donne le collier. Vite. Non, je l'ai. Non, je t'assure. Je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Ah. Loué soit notre Seigneur. Venez, mon fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ignore. Elle s'est subitement mise à crier, puis elle s'est évanouie. Oh, c'est curieux. Ouvrez la fenêtre, elle a besoin d'air. Ah non, pourvu que ce ne soit pas trop grave. C'est que, vous savez, nous faisons souvent de fort longs jeûnes. Peut-être n'a-t-elle pas assez mangé. Il faudrait chercher un docteur. Un médecin. Oui, je vais y aller, moi. Venez, surveillez-la. Non, mon père, ne partez pas. Restez avec moi, ne me laissez pas. Elle a récupéré, on dirait. Ah oui, pour récupérer, oui. Et il faut pour ça que le père reste auprès de moi. Ça fait bien mal quand on se cogne. Oui. Oui, je me suis bien cognée, en effet. Dites, ça va mieux, ma soeur. Oui, beaucoup mieux. Oui, merci bien. À condition que monsieur le curé ne me laisse pas. Dites, vous voulez bien, mon père. Puisque vous n'êtes pas seul, je reprends ma tournée. Oui, ça va. C'était un petit malaise, mais c'est passé. Il va s'occuper de moi et je vais récupérer. Oh. Ne vous en faites pas, les enfants. Aïe! Fumier, ordure, sale voleur! Mais faire ça! C'était la seule façon. Oh, la façon, mais il y a façon et façon, quel manque de classe! Profiter ainsi d'une malheureuse femme, une bonne sœur, une presque maîtresse. Mais t'es malade, il y en a ras-le-bol, je me taille avec le collier. C'est fini, nos routes grâce à Dieu se séparent. Et fais gaffe, tu vois, hein! Première rencontre. Quand je t'ai vue sur la terrasse, j'ai pensé quel chic. J'ai perdu la tête. Tu m'as séduite. Ça fait partie de mon métier. Oui, quand on veut une. Tu fais du baratin. On va s'en payer, toi et moi. Maintenant, au travail. Oui. Attends voir. Avec ce petit bout-là. Je me paierai une zible et une double face. Parce qu'en faisant le plus vieux métier du monde, moi j'ai récolté des douleurs rhumatismales. Mais double face, c'est pas donné, tu sais. T'as mesuré un peu juste, je crois. Parce que les pierres jusque-là sont toutes pareilles. Oui, c'est bien pareil, mais seulement jusque-là, donc 2 fois. Je peux me racheter une bagnole, on m'a volé la mienne le mois dernier. Ce bout-là, ce bout-là. Pousse pas, dis. De ce bout-là, ce bout-là. De ce bout-là, ce bout-là, ce sera pour acheter une maison. Une maison? Oh, mais alors tu penses à notre avenir? Oui, l'avenir, ça se construit. Oh oui, au bord de la mer, hein? La mer. Ah non, pourquoi la mer? La montagne, c'est beaucoup plus simple. Mais... oui, on a la paix, il n'y a personne qui peut venir à l'improviste. Oui, t'as raison. Très bien, une maison, rien qu'à nous, à la montagne. Cortina, villa panoramique, 200 millions à débattre. Fais voir, c'est pas cher. La photo, regarde un peu, 200 millions. Oui, 200 millions, avec ça on pourra se payer les meubles et avance un peu plus loin. On en fait quoi de ce bout? On t'offrira un collier. T'es contente? Tu y es, c'est pas... Le collier volé au casino était une copie. Pas de chance. Quel dommage. Et puisque c'est ça, ce sale collier, dis-moi, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, rien, hélas, puisqu'il vaut des clopinettes. Pour moi, il vaut tout de même très cher, tu sais. Ah oui, il a de la valeur. Et il sert à quoi? Ben, il aura servi à... Ah oui, pour moi, il aura servi à ce qu'on se rencontre, qu'on soit ensemble. Tous les deux, même rien qu'un moment, mais comme deux trains qui se croisent en pleine nuit et qui suivent chacun leur voie. J'ai bien mis le temps, hein. Non, soyons sérieux, non. Moi, il y a une chose... non, ça te ferait rien de me le laisser en souvenir. Ça te fait rien que je le veuille? Ça m'arrange pas, tu vois, parce que j'ai un ami qui m'en aurait donné tout de suite 100 000 livres cash. Ah oui, à faux, tu comprends, ça peut toujours servir. Oh, n'en parlons plus, ne voyez vierge trop. Moi, ce collier, je n'en voudrais plus, même s'il était vrai. Je te le laisse. Hé, écoute. Non, c'était une blague. Je l'ai mis dans ton sac, t'as qu'à regarder. Ah, je savais bien que je ne m'étais pas trompée. Tu es un homme merveilleux. Oh, comment tu t'appelles? Ange. Et toi? Marie. Tiens. Tiens. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil à votre journal? Oui. Tenez, attendez. Je retire ça. Je l'avais mis pour faire une blague à un ami. Tenez. Moi aussi. Oh non! Fumier! Arrêtez, je descends! Ah, arrêtez! C'est un maniaque! Il veut me violer! Au secours! Arrête! On voleur! On voleur! On voleur! On voleur! La veuve éplorée. Oui. Ah, pardonnez-moi, madame. Permettez, j'espère ne pas trop vous déranger. J'ai préféré venir ici tout à l'heure au cimetière. Je n'ai pas osé. J'ai pensé plus délicat de ne pas vous importuner. Oh non, assez. Je suis à bout. N'avez-vous donc aucune pudeur? Oh, si. Ne va-t-on pas me laisser en paix? Votre mari a toujours collaboré avec la presse. Il faisait preuve d'une gentillesse vraiment très rare. Il ne refusait absolument aucune interview. Je sais, mais moi, je ne suis pas un personnage public. Je n'ai pas de déclaration à faire à la nation. Qu'on me laisse à mon chagrin. À mon anonymat. Sachez, madame, que votre immense douleur est partagée par des millions de citoyens. La disparition de votre mari endeuille le pays tout entier. Vous savez combien ses amis l'estimaient. Je dirais même ses ennemis aussi. C'était un cas unique. Alors, monsieur, que désirez-vous savoir? Ah, oui. Oui. Je voudrais... Est-ce que vous pourriez mettre la voilette, oui, le chapeau noir, si c'est possible? Pourquoi? Pour un raccord. Il me faut un raccord avec les photos des funérailles. Vous avez déjà pris un nombre considérable de photographies aux funérailles. Pourquoi en désirez-vous encore? Oui, j'en ai beaucoup, mais seulement malheureusement au cimetière, il y avait tellement de gens qui défilaient pour vous saluer que je ne vous ai pas. Comment? Je ne vous ai pas. Oui, c'est de l'argot de métier, si vous voulez. Il vous cachait. Oh. Est-il vraiment indispensable que je le mette? Ah oui, ça, c'est absolument indispensable pour les raccords. Voilà. Et permettez. Parfait. Superbe. Merci. Je suis prête. Bien. Un peu trois quarts, un peu... c'est ça. Non, impossible. Pourquoi? Il faut une fenêtre. C'est ça, il faut un fond. Mais pourquoi? Pour le ciel. D'ici, on ne voit que les autres maisons. Moi, j'ai besoin, pour donner l'impression du cimetière, j'ai besoin du ciel. Si je vous prends dans le salon, ça se verra trop. Je veux dire pour mon fameux raccord, vous comprenez? Oh oui, toujours ce problème. Ces fenêtres, elles sont affreuses. Cette maison n'a du reste pas une fenêtre qui soit à l'endroit voulu. C'est vraiment fait en dépit du bon sens. Oui. Il aurait fallu une fenêtre là. Je l'ai souvent dit à mon mari, pourquoi ne pas ouvrir une fenêtre à la place de ce tableau? Cela ferait beaucoup mieux. Cela aurait agrandi la pièce en offrant beaucoup plus de lumière. Mmh. Et pourquoi ne pas l'avoir fait alors? Oh, nous n'avons pas obtenu l'accord de la protection des monuments. Mais mon mari n'était pas un homme à se battre pour ce genre de problème. Pour son parti, il était capable de combattre à mort. Mais pour son foyer, non. Mmh. Mais il n'y a pas une seule pièce avec une fenêtre mieux placée pour qu'on puisse, je sais pas moi, entrevoir le ciel? Oh, si vous faites, la salle de bain, monsieur Grotez. Ah non, pourquoi? Ça me semble exclu. Il est impensable de prétendre que je puisse accepter de poser en robe et en chapeau de deuil près de la baignoire. Effectivement, mais... Non, j'ai toujours dit que cette maison n'était pas du tout pratique. Et pourtant, je disais souvent, pourquoi ne pas récupérer la salle de bain? Cela nous aurait permis de faire de cette fenêtre celle de notre chambre. Et au moins, j'aurais eu le plaisir d'avoir une vue plus agréable sur le ciel. C'est certain, vous avez tout à fait raison. Alors? On va là-bas? Hein? Si vous voulez, allons là-bas. Je vous montre le chemin. C'est ça. Bon, ne bougez plus. Détendez-vous. Voilà, j'aimerais si possible, je voudrais un peu d'émotion, toujours pour mon fameux raccord. Alors, essayez de vous concentrer. Vous m'avez dit de me détendre. Alors, est-ce que je dois me détendre ou bien me concentrer? Non, mais d'accord. Oh. Ah, vous avez perdu la pause. Ah, permettez. Voilà. Ne bougeons plus. Ça va venir, j'en suis sûr. Mais pensez fort à une chose triste. Tenez, par exemple, l'ambiance des funérailles. C'est ça, c'est ça. Si seulement il vous venait une petite larme, une toute petite larme. Non, c'est très dur. Rien à faire. Mais si, faites un petit effort. C'est ma nature. Je ne pleure jamais. Ça va venir, je vous dis. On finit toujours par trouver un moyen. Voilà. Ça vient. Oui, ça vient. Ne vous affolez pas. Ça vient. Non, rien à faire. Bon, alors tant pis, c'est raté. Bon, ça passera, tant pis. Parce qu'une photographie sans émotion, ça ne tient pas. Et qui plus est, ça pourrait jouer contre vous. Là, vous exagérez. Un visage peut exprimer le désespoir sans pleurer comme une madeleine. En l'occurrence, non. Oh, mon visage exprime quoi, alors? Eh ben, en toute franchise, ça ferait plutôt penser au soulagement, comme... Veuillez ne pas dépasser les bornes, sinon je vous mets à la porte, vous avez compris? Alors, excusez-moi, je parlais de l'expression extérieure, très superficielle. C'est tout. Je ne me permettrai pas de mettre en doute votre bouleversement en profondeur. Comprenez, je me suis mal exprimé, mais j'ai vraiment... Je conçois votre douleur, ne vous méprenez pas. Voyez-vous, dans mon métier... Il faut guetter le moment propice et voilà, je savais bien que votre émotion allait... Attendez, bougez plus, voilà, nous y sommes. J'en étais sûr, je l'aurais parié. Vous êtes beaucoup plus belle avec les cheveux dénoués. Non, je vous en prie, n'y touchez pas, laissez-les flous, hein, comme ça. Une femme qui a la chance d'être sexy comme vous l'êtes ne doit pas le cacher. Soyez sauvage. Et pour vous maquiller, vous devriez adopter des couleurs plus chaudes, du blush abricot, pêche. Vous devriez vous habiller en rose orangé ou jaune bouton d'or. J'aime assez, mais je crois cette gamme un peu voyante. Vous n'êtes pas quelqu'un de très sérieux. Écoutez, vous m'inspirez. Et ce que je voudrais, ne vous fâchez pas, c'est que vous deveniez célèbre. Moi, pourquoi? Écoutez, il se trouve que je connais bien, mais bien le milieu cinéma. Vu mon métier, je suis... En vous voyant, surtout ne le prenez pas mal, je pense qu'avec un pareil physique, une telle beauté, ça serait... D'ailleurs, il y a plus d'un exemple de grande dame de l'aristocratie ayant consenti à poser pour moi, et même à faire du cinéma. Mais je n'ai aucune aptitude. Oh, cette blague. Une femme comme vous, jeune, belle, portant un nom pareil. Mais vous voulez rire. La curiosité que vous susciterez partout sera absolument, mais alors absolument fabuleuse, ça, moi, je vous le dis. Mais que faudrait-il faire? Mais rien du tout, c'est simple, vous n'auriez qu'à me laisser faire. Les rendez-vous, les interviews, les photographies, publicité, contacts. Quelle photographie? Ah, mais celle que je prendrai, naturellement. Je ferai un service artistique, autrement dit, une belle série pour vous mettre bien en valeur. Bien sûr, je déciderai de tout. Vêtements, maquillage, coiffure, on irait faire des boutiques ensemble pour essayer de... Vous êtes très gentil, vraiment. Mais ce que votre enthousiasme vous fait oublier, c'est que je me dois désormais à sa mémoire. Je n'ai pas le droit de... Il faut que je respecte le nom que m'a donné mon mari. Il y va de ma réputation. Mais bien entendu, il n'est pas question... Tout le monde sait ce qui se passe dans les milieux de cinéma. Et la presse parle sans cesse de ses actrices. J'ai cru comprendre que si l'on veut faire carrière, il y a certaines concessions. Mais non, mais pas du tout, c'est très exagéré. Vous seriez bien en peine de me donner le moindre exemple. Oh, certaines photographies. Tenez, voilà, prenons ce magazine. Ce n'est pas à vous que je vais la prendre. Tenez, regardez. Cette fille à moitié nue dans l'herbe et ce... Bon, disons ce maillot de bain pour ne pas être méchante. Oui. Non, franchement, je ne pourrais pas poser ainsi. Oh, je m'en doute, mais vous avez raison. Ça n'est pas du tout ce que j'envisage de faire. Une pose pareille, ce n'est pas votre style. Ça, c'est bon pour une petite starlette impatiente qui est prête à faire n'importe quoi pour être remarquée. Pour vous, le problème est tout autre, évidemment. Les photos devraient avoir quelque chose de plus suggestif et de plus sophistiqué. Mmh. La femme de 30 ans à l'apogée de sa forme, de son charme, de sa beauté et de son mystère. Je montrerai ça, mais seulement par illusion, par transparence, sans rien qui offense votre pudeur. Je peux y compter? Parole d'honneur. Dites, maintenant montez sur le cheval. Juste quelques photos. Hop là. Très bien, bravo. C'est ça, bien détendu. Voilà. Dites voir, est-ce que vous avez un bikini? Non. J'ai une combinaison. Ah, de quelle couleur? Ivoire, avec des fleurs. Super, alors mettez-la vite. Je l'ai déjà mise. Parfait. Ah. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est très bien. Oui. Ah. Superbe. Ah. Ah. Maintenant, j'aimerais... Voilà. Mettons un peu de musique. Si vous voulez. Oui, c'est bien. Pili, 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 pili. C'est ça. Venez. Voilà, ce sera bien. Mettez-vous là, prenez des poses naturelles, comme si vous rêviez. Hein, je vais faire des photos poétiques dans une lumière douce, un peu irréelle. Splendide. Ah oui, c'est ça, alangui, oui, c'est ça, sensuel. Venez là, venez. Et venez. Oui, c'est très bien. Encore plus sensuel, le plus sexy. Souriez. Il faut baisser un peu l'épaulette. Voilà. Oui, c'est ça, voilà. Pas trop tout de même. Non, juste un peu. Splendide, alors... merveilleux. Superbe, oui, merveilleux. De l'abandon, encore. Ça ne fait rien. Oui, c'est bien ce que tu m'as dit. Mais surtout qu'on ne voit pas de dos. Non, hein? Ça ne se verra pas. Venez. Attendez, installez-vous à présent sur le lit. Un peu sensuel. À l'anguille. Hein? Splendide. Ça, vous allez faire une fantastique carrière d'actrice. Mouillez les lèvres. Bravo, terrible, très sexy, bravo. Bien. Attendez. Très bien, oui, très bien, voilà. Oui, plus d'abandon. Très bien. Voilà. Ne bougeons plus, voilà, oui, bravo, tenez bien votre mule, oui, levez un peu la tête, oui, levez les yeux, oui, bravo, oui, vers moi, oui, regardez ici, et c'est ça, viens, oui, redresse-toi, mets-toi à genoux, c'est ça, altière, détends-toi, oui, ah oui, fais la putain. Pardon, plus cochonne. Les jambes vers moi. Voilà, très bien, c'est ça, oui, très bien, oui. Et vulgaire, oui, super. Lascive, c'est ça, lascive. Lascive, c'est ça. Ah, ça, c'est magnifique, ça. Pute. Et plus salope. Une maman. Dites, madame. Oh, bon. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en retard à l'école. J'ai dû accompagner mon petit frère à la crèche parce que ma maman est malade. Oh, pauvre gosse. C'est la première fois que ça m'arrive, alors s'il n'y a pas quelqu'un qui m'accompagne, une grande personne, oui, comme vous, par exemple. Comme moi? Non. Si, vous? Non, c'est dingue. Ah non, je... Ah, trouve-en une autre. C'est pas du tout mon genre, moi j'ai pas d'enfant. Moi j'ai été sage, on m'a donné le prix de bonne conduite. De bonne conduite? Eh ben, tu tombes bien avec moi, tiens. Vous n'avez qu'à faire croire que vous êtes ma mère, vous êtes plus belle. Si jamais mon père la prend, il me filera une baigne. Une baigne? Ah. Non mais, oh, écrase. Je suis pour la non-violence, mais pas de salade. Moi, si on me traite pas bien, je vais vite mettre mon cul à l'abri. Enfin, je... Disons que je cours comme les chiens, tu vois, quand ils font... Laisse tomber, va. C'est pas la peine de dire des mensonges. Entre nous, madame, des salades, il a dû vous en arriver aussi d'en inventer plus d'une dans votre vie, non? Hein? Alors venez avec moi. Soyez chic. Bon, je veux bien. Espérons que ça marchera par où il faut aller. Par là. Allez, d'accord, viens. Et dépêche-toi. Oh, il faut que je ferme mon manteau. Oh, ça la foutrait mal. Bon, on voit plus rien. Donne-moi la main. Et allons-y, c'est ça. Très bien. Oh, monsieur le directeur, excusez-le. C'est pas sa faute. Et puis, c'est la première fois qu'il... Oh là là, la première fois, vous dites. Ah oui, il est jamais en retard. Mais est-ce que de vous parlez bien de votre fils, non? Oui, de qui voulez-vous que je parle? Oui, mais est-ce que monsieur vient à l'école quand ça lui plaît, 2 jours par semaine? Ben, c'est pas vrai, dit. Et tant mieux. Oh, ça me suffit. Oh oui. Moi, j'aime autant, parce que c'est déjà trop. Il ne me fait que des sottises. Oh, mais vous vous exagérez. Oh, non, il est juste non, un peu... Parce que, comment dire, c'est ça... Quoi, ça quoi, madame? Le pauvre, il a eu la grippe. Il a la fièvre. Vous voyez, il est pas lourd, il a pas encore... Ah oui, il a eu la grippe. D'abord, il a maigri. Il a perdu l'appétit. Ah, c'est plus lui. Ce matin, j'ai manqué pas le reconnaître. Ah. Ben oui, et puis ce petit, il faut qu'il aille... Le matin, il faut qu'il aille déposer son petit frère à l'école. C'est-à-dire à la crèche, parce qu'il a la responsabilité du frère aîné, le pauvre trésor, parce qu'il faut, comme sa famille doit à notre famille, enfin quand on est une famille de gens simples, nous on travaille, hein. Moi je suis dehors par tous les temps, c'est dur, hein, mais comme on dit... Ah oui, bien entendu, mais pourquoi le poste de votre mari doit être... je pense que le député Salveri... De quoi? Le député Hector Salveri? Oui, je vote pour lui, tous pensent à leur profit, seul Salveri pense à la patrie. Ah oui. Chère madame, j'apprécie votre tact. Oui, vous évitez de mettre en avant la condition économique et sociale de votre famille, mais je suis obligé de dire que votre garçon, dans un tel contexte, est, comment dire, un peu à la traîne. À la traîne de quoi? C'est la 2e fois qu'il redouble sa 4e, je crois. Ou bien la 4e qu'il redouble sa 2e. Non, il ne peut pas être en seconde, il est en retard. Non, car cet enfant, il n'est pas très doué ni très assidu. Mais c'est impossible tout de même. Puisqu'il a le prix, il est le premier en bonne conduite, c'est qu'il s'est bien comporté. Le prix de le premier... De bonne conduite? Lui? Ben oui. Vous parlez de votre fils, il s'est présent. Et de qui voulez-vous que je parle? Ah, bien sûr, ben voyons, il est le premier en bonne conduite, c'est évident, ça ne peut être que lui. Il mérite ce prix haut la main. Puisqu'il a mis le feu à la classe et inondé les cabinets des filles et tout ça, le même jour. Aussi, il semble naturel qu'on lui décerne le prix de bonne conduite. Oh, mais t'entends ce que dit le professeur? Directeur. Non, t'as pas entendu. Il a rien entendu. Et il a remis une copie sur 12 lignes. Oui, enfin, 12 ou 13 lignes. Ah. Oui, 13 lignes, il a fait sur, disons, 13 lignes, 28 fautes d'orthographe. C'est un record, ça, vous comprenez? 28? T'as fait ça à ta maman? Ça te fait rire? Comprenez, madame, ça n'est pas que je sois... Mais il a... Je vous le demande, avec la meilleure bonne volonté. Combien lui donneriez-vous? Combien? 4, non? Oh, ben, disons... Bon, 6. Hein, mince. Non. Combien? 5? Non. Bon, ben, 4. Dis donc, comment tu t'appelles, hein? Filippo. Philippe, viens voir un peu, là. Tiens, un drap de ça! Aïe, aïe, ça te rendra, espèce de morveux! Bon, après... mais, dites-moi, est-ce que son père sera d'accord? Ah oui, il est d'accord, Ça, vous pouvez déballer tout, hein. Allez, dites-moi, comment ça va en histoire, hein? Moi, j'aimais l'histoire. En histoire? Oui, en histoire. Bah, là, non, passons. Hein? Non, dites-moi, je veux savoir combien il a en histoire. Oh, en histoire, combien votre fils a eu? Oui. En histoire, il n'est pas... il a une note pas très brillante, mais laquelle, au juste, pas la moyenne, non? Mais combien, dites-moi? Ben, 3. 3 et 3, 6. Arithmétique. Eh oui. Arithmétique. Eh oui, bravo. Je veux savoir. En arithmétique, il a eu. Oh, non, mais glissons sur cette matière. Non, je glisse pas. Dites-moi la vérité. Vous refusez alors de me dire la vérité. Mais non, tenez, pas trop nul. Ben, il faut avouer, en arithmétique, c'est nettement. Oui, oh, oui, c'est pas mal du tout. Mais il a combien, quoi? Quelle honte de dire que moi, j'ai toujours dit que mon fils devrait être instruit. J'espérais que c'était son cas. Moi, j'ai eu confiance et voilà, j'ai à boire rien, héros, un cossard de première, hein. Même pas en bonne conduite, rien. Non, il a menti. Ah oui, après les sacrifices que j'ai faits pour lui, il se montre ingrat envers sa mère. Oui, non, ne soyez pas trop sévère, du calme. Non, pas pour lui, mais si le député l'apprend, il ne pourra pas... Non, il faut que je cogne, parce que si ça va mal en histoire, et s'il est nul en tout, ou s'il a zéro en arithmétique, ça va pas. En arithmétique. Non, en arithmétique, non, c'est pas franchement mauvais, non. Bah, tenez, faites-lui faire une petite opération. Oui, c'est ça, une multiplication. Essayez. Pour voir. Oui, essayez. 6 fois 9. 6 fois 9. Ah non, ne lui soufflez pas, je vous interdis. Ah, vous essayez de lui souffler, c'est une honte. Dis-le toi. 6 fois 9. Tu le sais pas? Un cancre, tu le sais pas. Va te faire foutre. À ta propre mère? Ah ouais? Oh, oser dire des horreurs à sa propre mère? Mais ça, mon garçon, tu me le paieras. Moi, je t'assure que tu vas dérouiller. Voyons, madame, allons, du calme. Je pourrais essayer d'aplanir les choses, vous mettre fort sympathique. Et le député a assez de soucis, alors je m'occuperai de le faire admettre à son examen. Oh, non, pas ça. Je refuse. Si on le pistonne, il n'en faudra plus une rame. Mais comment, t'as pas honte? De quoi elle se mêle? C'est pas ma mère, cette connasse. Quoi, il m'a traité de connasse? Vous leur apprenez les manières, vous? Votre famille est plutôt spéciale. Ça vous regarde pas. Qu'est-ce qui te prend de me renier? Est-ce que je te connais? Si je le dis à mon père, il te fera coffrer aussi sec. Oh, mais quel morveux! J'aimerais savoir la vérité, moi. Elle m'a donné du chewing-gum et elle a dit « Je viens avec toi dans cette boîte ». Oh. Moi, j'ai dit ça? Mais... En somme, vous êtes qui? Mais sa maman, c'est simple, non? Elle fait le trottoir. Comment tu le sais? Ah, maman, t'as pas honte? Traitez maman de putain. Oh, écoutez, madame, montrez-moi donc vos papiers. Hmm? Vous d'abord, monsieur. Moi? Oui, vos papiers. C'est une plaisanterie. Non, j'ai compris que c'est un coup monté. Et je porterai plainte. Monter mon garçon contre moi, je le ferai changer d'école, ce petit. Allons-nous-en. Non, pas si vite. J'ai le droit d'exiger de voir d'abord votre livret de famille. Non, mais ça va pas. Non, mais il est dingue. Balez pas, salaud. Vous dévoyez mon petit et vous voudriez embêter sa maman. Balez pas, on s'en va. Toi, suis-moi. Concierge. À dater d'aujourd'hui, moi, je vais te mettre au pas. Marino, veuillez m'arrêter cette créature, vous entendez? La mère du pauvre gosse s'enlève. Ramenez-la moi. Ça ne m'étonne pas, à notre époque, s'il n'y a plus de films maternels. De la part de sa mère. La jeune épouse. Puis-je choisir ce qu'il me faut? Bien sûr, je vous en prie, professeur. Du moins, selon l'apparence. Et votre dame, elle va bien? Mais oui, merci. Il y a quelques jours que je ne l'ai pas vue. Et bien sûr, elle a fort à faire. Il y a les enfants, la maison, le ménage. Et puis elle est si jeune, elle manque encore d'expérience. Dire qu'elle est jolie comme un cœur. Oui, c'est pourquoi je m'efforce de l'aider de mon mieux. Sûr qu'elle a eu bien de la chance, votre dame, d'épouser un homme bien sous tout rapport. Bon, non, vous exagérez un peu. Non, professeur, j'exagère pas. Je dis ce qui est, faut être juste. Les hommes comme vous, hein, ça court pas les rues, le moule doit être cassé. Tous les mêmes. Avant le mariage, bien sûr, ils se montrent gentils, galants et tout et tout. Mais ensuite, ils pensent qu'à leurs pantoufles et à leur poste de télévision. On n'est plus que leur bonne à tout faire, ça oui. Et il faut obéir au bon plaisir du tyran. Ah, c'est la faute aux mères trop freudiennes avec leurs garçons. Je sais pas si elles sont trop comme vous dites ou pas assez, mais moi, je sais simplement une chose. C'est que les femmes se plaignent chez moi de leur mari et elles finissent toutes par prendre un amant. Mais... Oh, professeur, tenez, ce sera pour vos enfants. C'est tellement agréable de servir des couples qui s'aiment de nos jours. Mon Dieu, je pense que lorsqu'on a trouvé une rose, il convient de la cultiver comme il le faut, n'est-ce pas? Mais qu'y a-t-il? C'est drôle, il y a comme un arrière-goût. Ça te déplaît? Non, c'est pas vraiment désagréable, mais bizarre, on dirait. Un clou. Oui, un coup de girafe dans ta compote de pommes. Oui, chez moi, c'est l'habitude. Moi, je pensais que pareille épice était réservée aux dentistes pour calmer les douleurs. C'était pour te faire une surprise. Ah, pour une surprise, c'est une surprise. En somme, j'y arriverai jamais, quoi. Mais pourtant, je m'applique, tu sais. La cuisine est un art et l'art, ce n'est pas facile. Tu dois comprendre que ça nécessite un long apprentissage. Tu trouves sûrement que je suis pas douée à vous. Hein, c'est ça? Tu finiras par me haïr. Moi, te haïr, ne dis pas d'horreur. Tu es très excessive. Fais comme si tu étais une élève. On t'a demandé de faire un devoir en classe. Tu as commis de petites erreurs. Alors moi qui suis ton dévoué professeur, je te corrige et je piffe au crayon rouge. Sans pour autant te haïr, si je devais haïr mes élèves lorsqu'ils feront des erreurs. Oh. Oui, mais moi je suis ta femme. Justement, dis-toi bien que de tous mes élèves, ma préférée, c'est toi. Mais pourquoi tu ne m'as pas téléphoné? Je t'aurais rejoint pour choisir ensemble. Mais je ne trouve pas la nécessité. Me trouvant près du centre tantôt, j'ai pensé que ça t'éviterait de te fatiguer. En voilà un nouveau caprice, voyons, comme si je n'avais pas toujours choisi tes robes. Mais je crois... c'est pas tellement la couleur. Que ma maman est belle. Que t'es belle. Ingrate, dis donc. Tu ne vas pas penser que je te laisserai sortir mal habillée, hein? Non. Non, bien sûr. Mais quelquefois, ça me semble, de mon point de vue de femme, trop... Fais-moi confiance et suis mes conseils plutôt que ceux de tes amis, de tes journaux idiots ou de la télévision. Tout le monde n'a pas ta chance d'avoir un mari aussi prévenant et tout disposé à te donner de judicieux conseils. Sans fausse modestie, je suis un homme de goût. Il n'est pas de cet avis. Je m'excuse vraiment, tu sais, mais je le fais pas exprès. Ça ne fait rien. Si, ça fait, c'est important. Seulement, à mon avis, on fait ça bien trop vite, tu crois pas? Mais tu n'es pas assez cérébrale. Il faudrait que tu t'appliques. Je sais vraiment, tu sais, mais tu m'excites tellement que je perds tout contrôle. Ah, mais c'est pourtant par l'érotisme que l'homme se distingue des animaux. Et puis, il y a également tes inhibitions. Toi, tu en as pas? Oh, mais chérie, pour un homme, c'est différent. Tu me répètes ça à chaque fois, c'est lassant. Hein? Tu réponds, insolente? Ah, vous êtes mal élevée. Ah oui, mes élèves et toi, vous êtes devenus très vilaines. Contente-toi d'obéir. Non, ce coup-ci, je proteste, je suis pas d'accord. Tiens, moi, si tu veux, je propose qu'on recommence. Hein? Madame est une drôle de coquine. Tu protestes et puis tu prétends recommencer. Hein? Chut, venez. Doucement. Giovanna! Ah, maman, tata, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle! Attends voir, je crois que je vais faire beaucoup mieux. Attends, assieds-toi, là au milieu du salon. Mais laisse-moi finir, chérie, je lis une revue très sérieuse. Oh, mon chéri, pour une fois, joue un peu. Ah oui, on joue, papa! Maman va t'attacher, maman va t'attacher, maman va t'attacher! Soit, attachez-moi, mais faites vite. Youhou! Ne bouge plus la tête. Je vais faire un joli nœud. Ah, ils l'ont montré à la télévision. Voilà, la femme attachait son mari et après lui faisait une blague. Vraiment? Quelle émission? Ça ne me dit rien du tout. Ah non, mais parce que tu n'étais pas là. C'est justement, sinon il n'y aurait plus d'effet de surprise. Ce serait pas drôle, mon chéri. Ah oui, c'est juste. Ah. Papa est prisonnier comme au Far West. Du calme, les enfants. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Mais ce n'est qu'un début, attends. Attends, tu vas voir la drôle de surprise qu'elle t'a préparée, ta charmante petite femme. Tu n'en reviendras pas, attends un peu. Hein? Voilà. Reste comme ça et ne bouge plus jusqu'à ce que je te le dise, hein, t'as compris? Comme elle est restée gamine. Mais soyons justes, en tant que femme d'intérieur et mère, elle est parfaite. J'aurais mauvaise grâce à me fâcher que de temps en autre, elle s'amuse un peu. D'autant qu'elle joue avec moi. Mieux vaut la laisser se défouler ainsi. Dire qu'il y a 5 ans, je l'ai connue alors qu'elle dansait à Paris, au Crazy Horse. Je dois avoir les idées larges. Est-ce qu'on va chez grand-mère, dit? Oui, chérie. Elle a demandé à vous voir. Vous voulez bien m'aider pour prendre les valises? Merci. Oui. Allez, montez vite, dépêchez-vous. Bonjour, madame. Vous partez? Oui. Ah bon? Et pour longtemps? Les enfants et moi, oui. Il y a si longtemps que je n'ai pas embrassé ma mère, elle m'a demandé de voir les enfants. Et puis à Paris, j'ai plein d'amis. Ah oui, je comprends. Oui, bien sûr. Je vous fais suivre votre courrier. Oh, non, non, pas la peine. Vous pourrez le mettre dans notre boîte à lettres. Mon mari ne part pas, il le prendra, oui. La femme d'affaires. Mon Dieu, je t'assure, j'en peux plus, cette fois, je l'aborde. Ça rime à rien, cet idiot. C'est vraiment une femme exceptionnelle, mais que peut-elle faire? Il faut que je lui parle, je n'en peux plus. Moi, je suis prêt à parier qu'elle t'enverra sur les routes. Tant pis, je l'aborde, ça vaut la peine. Veuillez m'excuser. Voilà, je n'ai pas pu résister, j'ai une folle envie de faire votre connaissance. C'est amusant. Mais avec la foule de choses que j'ai à faire, je suis déjà en retard pour mon premier rendez-vous. Dites-moi au moins si je peux espérer vous revoir un jour. Vous n'avez qu'à me laisser votre carte de visite. Hein? Ah oui, tout de suite. Tenez. Vous voulez qu'on se voit à 4 heures? Moi, oui, et vous? Bon, alors chez vous, c'est plus simple, je connais le coin. Ah, merveilleux. Puis-je connaître votre métier? Musicien, je suis chef d'orchestre. Ah. Belle oreille, oui. Ah. Sûrement musicale. Et vous appelez comment? Giovanna. Giovanna. Alors, maestro, à 4 heures chez vous? À 4 heures. À 4 heures, mon Dieu. Alors, raconte. Mon amour, ça a marché. Oui, je vais m'en aller. Oh, je serai là dans 10 minutes. Tu n'es pas venu? Fais vite, tout le monde t'attend, dépêche-toi. J'oubliais, il manque un hautbois. On a appris qu'il avait eu un accident. Ah bon? Appelle Micheluzzi pour trouver un remplaçant et débrouille-toi avant mon arrivée. Hey, ciao. Coucou, me voilà. Quelle télépathie. Bonjour, entrez. J'espère ne pas être en retard, excusez-moi, pas moyen d'avancer, la circulation est absolument atroce. Non, ça ne fait rien, n'en parlons plus, j'ai l'habitude. Oh, que l'on est bien ici, vraiment c'est délicieux. Oh, ça ne m'étonne pas, du reste, je l'ai su en vous voyant. Je me suis permis d'apporter quelques roses. Pour moi? Bien sûr, étant musicien, vous aimez les fleurs, et dans l'intérieur d'un célibataire, ça fait plus gai, n'est-ce pas? Oh, pardon de ne pas y avoir pensé, je suis vraiment désolé. Oh non, ne vous excusez pas, attendez, où y a-t-il un vase? Un vase, ah oui. Oh, dites, pendant que vous les arrangez, puis-je passer un coup de fil urgent? Oh, bien sûr, faites comme chez vous, mais ce qui me gêne, c'est que... Enfin, le téléphone est dans la chambre à coucher. Mais pourquoi cela vous gêne? J'adore. Oh, tenez, c'est par ici. Mettez-vous à l'aise. Dites-moi, mon cher, je peux donner votre numéro? Il se peut qu'on me rappelle pour une affaire urgente, c'est possible? Ah oui, je vous ai dit de faire comme chez vous. Ah, vous êtes un ange. Un ange. Ah. Ah non, ce n'est pas ce qui était convenu. Ah si, je m'en souviens, mais pas aux conditions que vous dites. J'ai tout noté, je suis sûre de ce que j'avance. Non, mon cher Marchetti, ce n'est pas une façon de traiter les affaires. Non, je suis désolée. Que vous ayez changé d'avis, ça vous regarde, on restera bons amis. Mais de là, laissez-moi finir. Si vous prétendez que les termes du contrat étaient différents, non, c'est une contre-vérité, je proteste. Mais ne restez pas planté là. Pardon pour ce coup de fil un peu compliqué, mais les affaires deviennent si difficiles. Eh bien, allons, déshabillez-vous. Hein? Non, si vous le prenez comme ça, non, en ce cas, moi, je n'assisterai pas à ce temps-là. Non, à de pareilles conditions, ça ne m'intéresse pas du tout. Le mieux est de ne plus en parler. Non, il n'y a pas de terrain d'entente. Non, non, si je vous ai téléphoné, c'était pour convenir de certaines choses, pas pour entendre une telle mauvaise foi. Non, moi je ne marche pas. Comment? Non, il vaut au moins 200 millions ce terrain. Les lotissements sont décidés, on a l'autorisation, l'autoroute est presque commencée et c'est maintenant que vous mégotez. Vous devriez savoir, mon cher, que ce n'est pas du tout mon genre. Je n'aime pas les indécis. Mais non, ça c'est sûr. Non, ça c'est d'accord. Il n'en est pas question. Dans les affaires, moi j'aime les hommes de classe. Non, votre attitude m'a fait passer l'envie de conclure. Mais écoutez, Marchetti, j'en ai assez, je ne marche plus. Non, merci, en ce cas, tant pis et adieu. Oh, excuse-moi, mon trésor, tu t'as patienté. Oh, mais non, pas du tout. Je t'assure, je n'aime pas du tout mélanger ainsi les affaires avec ma vie privée, mais... Si tu leur laisses un instant de répit, ils en profitent pour te rouler. Moi, je les connais. Oh, mais ça me plaît énormément, parce que tu sais ce que tu veux. Tu es une femme d'affaires délibérée, sensible. Oh, trésor. Oh, oui. Oh, puis-je répondre, chérie? Si, c'est pour moi, je suis sortie. Allô? Oui, c'est moi. Ah non, impossible de conclure l'affaire avec Marchetti. Non, il mégote trop. Non, il n'en est pas question. Mais il voit les choses à court terme, alors que moi, je sais que ça vaut beaucoup plus. Non, non, j'ai d'autres clients pour ça. Il s'en repentira. Il s'en est déjà repenti. Eh bien, c'est bien fait pour lui. Eh, ça lui fera les pieds. Il est trop tard. Mon amour, mon trésor, pardonne-moi. Attends-moi une minute. Tu m'auras tout à toi. Hein? Non, je l'ignore. Oh, mais ça alors? Mais c'est pas possible. Mais je vais l'attaquer, moi. Enfin, mais il fallait hurler, le mettre à la porte. Attendez-moi, j'arrive. J'en ai pour 20 minutes. Il ne m'aura pas comme ça. Ce n'est pas tant pour l'affaire que pour le principe. Moi, je saurais le remettre en place une fois pour toutes. Hein? Qui a raison? Oui. Non, pas encore, non. Je n'ai pas conclu avec lui parce que ce type est un malade. C'est un cas pathologique, c'est... attendez un peu, il va avoir la leçon qu'il a méritée. Ce n'est pas possible d'agir ainsi en affaires. Oui, appelez-moi Maître Roberti. Ce coup-ci, je suis prête à tout. Je perdrai la compte s'il le faut, mais ce minable comprendra. J'arrive tout de suite, oui, merci, je fais au plus vite. Oui. Au revoir. Et voilà ce qui arrive chaque fois qu'on espère qu'on ne sera pas dérangé. Et qu'est-ce que vous faites encore en caleçon? Voyons, habillez-vous, vite. Mais ce n'est pas fini pour autant entre nous. Ah non? Non. Vous avez une voiture? Oui. Alors vous allez me conduire. Hein? Oui. J'expédie ça au plus vite et je vous rejoins pour rattraper le temps perdu. Vous voulez bien? Oh, oui. Mignon. Mais accélérez, on n'avance pas. Prenez la file de droite, là, ça avance mieux dans la file de droite à droite. Oui, mais vous m'avez dit qu'on devait aller à gauche. Mais non, mais enfin, pas tout de suite. Allez, soyez plus agressifs, voyons, allez. Oh, vous êtes fâché. Depuis que vous me conduisez, vous n'avez pas dit un seul mot tendre. Mais j'avais peur que ça vous... Je ne vous tente plus. Mais si... Alors, qu'est-ce que tu attends pour me caresser? Caresse-moi, j'adore ça. Tu sais que toutes les femmes désirent être caressées de temps en temps. Hé, attention, qu'est-ce qui vous prend, là? Quelle peur. Tu as jamais fait l'amour à la chinoise? Hein? À la chinoise? Ah non. Bon, tu verras. Vous m'attendez. On est arrivé? Non, mais il me faut du papier timbré, il y en a là. Il y en a plus loin, parce que je peux pas me garer là. Vous avez un tabac plus loin. Non, mais il faut juste une minute, je me dépêche, je cours, j'ai l'habitude. Vous voyez ce magasin? Oui. Bon, eh bien, allez m'acheter 3 petites culottes, taille 2, pur soie. Mais je n'y connais rien, petites culottes. Mais c'est facile, comme ça, en blanc. Ah. C'est beau, hein? Ah, espèce d'hypocrite, vous l'avez vu tout à l'heure. Merci. J'y vais. Oh, les petites culottes. Pardon, excusez-moi. Pardon. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur. Avez-vous des bonsoir? Comment? Voilà, je voudrais des petites culottes blanches taille... Nous n'avons pas de lingerie pour hommes. Ah, mais c'est justement pour une dame, en blanc pur soie. Je vais vous chercher ça, monsieur. Puis-je téléphoner? Bien sûr. Voilà. Allô, mademoiselle, c'est le maestro. Passez-moi, monsieur de Roberti, je vous prie. Ah, merci. Quel coloris? Blanc, je crois. Armando, écoute, je suis dans un pétrin épouvantable, mon vieux. Non, non, impossible de venir. Armando, ne crie pas, mon vieux, j'appelle d'une pharmacie. Il faut mettre ça à 6 heures. Spalini, que se passe-t-il? Quelque chose de grave? Non, non, c'est rien, je t'expliquerai. Voilà, c'est une parente qui... oui. Excuse-moi auprès de l'orchestre, qu'ils boivent tous à ma santé. Oui, je leur paierai à boire. Oui, promis, à 6 heures. Ciao. Si petite? Oh. Sois gentil, dis-moi un truc cochon. Pas trop mal, mais j'ai entendu plus excitant. Pas de blague, Spadini, il s'agit d'être à la hauteur. En affaires, tout le monde doit un peu intriguer. Écoutez, Marchetti, puisque tout compte fait, vous renoncez à l'affaire, j'ai amené M. Spadini. Il est prêt à vous rembourser vos arts et à reprendre le financement du programme. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, je vous en prie. Je n'ai jamais dit que je voulais carrément renoncer à signer. J'ai seulement demandé une plus grande... Ah non, 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 depuis le début des transactions, vous demandez seulement qu'on reboise, qu'on modifie les plans. Enfin, vous n'êtes jamais satisfait, quoi. Ah, permettez-moi de dire... Non, non, je ne vous permets plus rien, parce que maintenant, c'est M. Spadini qui, malgré son naturel patient, me fait des reproches. Hein? Mais dites-lui, M. Spadini, avouez que vous êtes prêt à me refiler 5 millions en dessous de table pour que j'annule la candidature de Marchetti en votre faveur. Oh, mais je... Mais n'ayez pas peur, voyons, nous parlons entre amis. Les affaires sont les affaires, ça n'ira pas plus loin. Allons, Spadini, dites-le lui. Oui, je... Et moi, j'ai là du papier timbré. Finissons-en, puisque vous aviez renoncé à l'affaire. Tenez, Spadini, signez-moi ça. Non, attendez, on devrait pouvoir... Mais dépêchez-vous, allez, signez. Que je vous signe, oui. Allez, dépêchez-vous. Non, 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 non. Mais si, n'ayez pas peur de Marchetti. Alors, vous voulez cette affaire, oui ou non? Oui, bon, alors, me laissez, Spadini. Mais madame, vous dites me laisser. Dites, Arduini, on a convoqué le géomètre pour la planimétrie du terrain. Oui, il a déjà commencé. Bon, très bien, alors allons sur place. Allons-y. Venez. Dites, Arduini, je n'ai pas le temps d'y aller. Mais comment ça? Voyons, on a promis que vous viendriez. Mais je ne peux pas laisser M. Spadini comme ça. Nous avons déjà une heure de retard, la nuit va tomber, on n'y verra plus rien. Et bon, alors je vais lui téléphoner, je me dépêche. Marchetti a bien signé, ça y est. Oh, Spadini, ce coup-ci c'est fait, vous avez vu comme c'est facile. Ah, il y a encore un problème, une personne à voir, mais ce ne sera pas long, venez avec nous. Mais si, on pourra bavarder gentiment tous les deux. Obéissez-le, soyez mignons, mon trésor. Viens, dépêche-toi. Viens. Bonjour, madame. Bonjour. Le géomètre vous attend au café du village. Il a dit comme ça que si on a besoin de lui, il n'y a qu'à aller le chercher. Il en avait assez pour arrêter le pauvre. Ah, qu'en pensez-vous, Arduini? Allez me le chercher. Oui, bien sûr, j'y vais. Et surtout, faites vite. Dites-moi, il n'y aurait pas un garçon costaud par là? Oh, si, mon fiston. Il est dans l'étable. Ah, voyez-vous, cet homme là-bas, c'est le maestro Spadini. Il a eu un petit malaise. Vous voyez comme il est pâle. Il n'y aurait pas un lit pour qu'il se repose 5 minutes? Oui, il est bon. Demandez à votre fils de l'aider. Alfredo! Écoute, tu vas monter te coucher. Hein? Mais pourquoi? Mais je leur ai dit que tu es malade, on en profitera un peu. C'est de la folie. Allez, monte. Oh, non. Oh, il s'est évanoui. Non, aidez-moi, je ne peux pas. Mais qu'est-ce que c'est? On est entre amis. Mais puisque je vous dis que... Calme, maestro. Mais puisque je vous dis que je peux marcher, mais lâchez... Oh, lâchez-moi. Ah, mais vous serez bien mieux. Sur le lit, mettez-la sur le lit. Là. Voilà, très bien. Un peu de silence lui fera du bien. Le malaise est passé, n'est-ce pas? Bon, je reste avec lui. Oh, il se pourrait bien qu'il ait une maladie contagieuse. Alors, allez-vous. Vous avez besoin d'un... Non, sauvez-vous, merci. Merci. Oh, déshabille-toi, allez. Ici? Mais oui. Que je me déshabille ici? Mais oui, dépêche-toi. Sans l'air de la campagne, tu ne sens pas cette odeur. Ah non, ici je ne peux pas. Moi, non, je perds mes moyens. Moi, je suis bloqué. Oui, bloqué. Mais gros bêta, pourquoi? On est bien, c'est merveilleux. Allez. Enfin, on n'aura pas le temps. Non, c'est bien trop risqué. Et si quelqu'un vient, on va voir. Mais en fait, minute que je me déshabille. Mais non, faisons ça comme ça. Attends. Non, je vais me... Oui. Défais. Allez. Mais vite, on a très peu de temps, tu sais. Allez, le pantalon, dépêche-toi. La chemise, hop, tes bras. Oui. Non, là, pas les boutons, c'est trop peine. Oui, mais... Madame Giovanna! Qui c'est? Je te l'avais dit que tu n'avais pas le temps de te déshabiller. Madame Giovanna! Alors, c'est tout? Non, pas... Oh, non! Giovanna, mais... Hein? Non! Qu'est-il arrivé au maestro Spadini? Oh, il a eu un petit malaise, ça va déjà mieux, ce n'est rien. Ah, tant mieux, le pauvre. Oui, comme vous voyez, on passe de la cote 103 à la cote 120. Oui. Oh, il nous faudrait nous en tenir à une moyenne de 105 pour être conforme aux normes imposées. Et l'estimation? Eh bien... il faut bien 20 jours de travail pour déblayer 6000 mètres cubes de terre, donc dans les 3 millions, peut-être même 4. Non, c'est faux. Selon moi, ce travail doit pouvoir se faire en 10 jours. Et les frais ne devront pas dépasser 1,5 million en tout. Où il est? Il est là-haut. Venez, suivez-moi. Mais alors c'est une chose grave? Ah, je ne savais pas que c'était à ce point-là. Et qui a appelé l'ambulance? Mon fils, si c'est une maladie contagieuse, vous comprenez, il faut se méfier avec les bêtes. Ah, puisque je vous dis que je vais bien, mais lâchez-moi, ben, laissez-moi tranquille, je n'ai même pas la migraine. Dites Arduini, je ne peux pas laisser le maestro Spadini dans cet état, et comme le ministère ferme à 6 heures, autant que je profite de l'ambulance pour repartir, ça roulera plus vite. Oui, mais madame, vous devez décider des travaux. Et à vous de décider, Arduini, je vous fais confiance. Mais est-ce qu'on doit déblayer malgré les frais, oui ou non? Hein? Voyez ça. Mais madame, je vous dis de me laisser. Non, montez devant, moi je monte derrière avec le maestro. Merci. Enfin, qu'est-ce que je fais là, moi? Mais qu'est-ce qui se passe? On est en pleine manifestation. Mais comment? On a un moribond et vous vous arrêtez pour une manifestation? Et qu'est-ce que je peux y faire? Oui, mais moi j'ai mon emploi du temps. Alors je vais à pied. C'est urgent, je dois téléphoner. Oh là 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 là, c'est épouvantable. Merci pour vos soins. Les soins, mon cul, oui. Bande de... Écoutez, on n'appelle pas une ambulance pour rien. Ah, je comprends. Voilà pour votre dérangement. Ah non, moi je vous lâche pas. Si vous claquez dans la rue, qui sait qu'on mettra en prison? Je n'ai rien, monsieur. Sauf parce que c'est bien joli, mais j'ai un rendez-vous. Moi, je vous laisse, hein. On m'attend au ministère. Le plus simple, c'est de se retrouver au bar bleu à 20 h, mon chéri. Mais qu'est-ce que je vais dire à l'hôpital? Mais ce n'est pas un drame, tu sais. Une visite de contrôle, ça ne fera pas de mal. Ciao. Allez, vous feriez mieux. Allez. Ah, j'y peux rien. On m'a hospitalisé. Ça arrive d'être malade. Oui, il faut me faire des radiographies, des examens, pas marrant du tout. Mais tu avais parlé d'une parente, je comprends pas. Oui, enfin non, c'est-à-dire, je dis ça comme ça, je voulais pas que tu te fasses de la bile. Moi, tu sais, je panique pas, oh non. Seulement ici, ça devient dramatique, il y a tout l'ensemble. 30 musiciens, quoi, et on perdra 6 millions. Ça m'amuse pas, mon vieux, je me trouve à l'hôpital sans camion, moi. Tu veux parler au médecin de garde? Mais non, tu parles si je m'en fous de ton médecin. Ce qui m'importe, c'est de savoir à quelle heure monsieur va arriver. Ah oui, écoute, j'y serai à 9 h, promis, je serai là pour la séance de 9 h. Oh, excuse-moi, il faut faire vite, on n'a pas beaucoup de temps, juste 20 minutes. Pourquoi? Parce qu'on part. Mais j'ai retenu les wagons-lits, j'ai tout. Pour toi et moi? Eh oui, il faut absolument être à Milan demain très tôt. Je ferai quoi, moi, à Milan? Mais comment? Je mets le monde entier en branle pour passer une nuit avec toi. Écoute, moi j'ai un enregistrement de tout l'orchestre. Je dois y être à 9 h. Eh bien, annule-le. Téléphone l'heure de la gare. Tu as payé ton verre? Non. Tu ne prends rien? Non, j'ai la monnaie, voilà. Allons, allez, viens, qu'on manque pas de train. Oui. Allez. J'ai pensé à toi, tu sais, je t'ai apporté un pyjama, des pantoufles et un rasoir électrique. Ce qui importe, c'est de rester ensemble, n'est-ce pas, chérie? Oui. Tu as déjà fait l'amour en wagon-lit, toi? Non. C'est merveilleux, divin, j'adore. Armando, voilà, je suis désolé, je ne peux pas, tu sais. Non, ça m'est impossible. Ne me laisse pas tomber, sois chic, remplace-moi. Tu connais bien l'orchestre, juste pour un soir. Tu vas épater tout le monde, allez, défonce-toi. Mais dis, t'as perdu la tête? Je saurais pas, non? Enfin, tu peux pas me faire ça. Je peux pas, il y a tout le crescendo de la marche de la cavalerie. Tu peux le faire, Armando. Fais pour le mieux et merci. Moi, j'ai confiance. Hein? Je t'embrasse. Je te rappelle demain. Hein? Et merci, Armando. Viens donc, viens là. Tu sais que les femmes n'aiment pas attendre. Comme tu as été long au téléphone. Mais attends au moins que le train parte. Quelle importance? Enfin, on risque de nous voir. Oh, si c'est ça, on peut baisser le store pour vous satisfaire. Ah, merci, oui, je préfère. Ah, ça alors, mais c'est bouzardi. Isidore Bouzardi. Isidore. Oh non, faut que je le voie. Qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? Ah, tais-toi, c'est providentiel, je reviens, attends-moi. Hein? Mais t'inquiète pas, je reviens. Mais comment ça, tu reviens? Oh, ouais. Monsieur Bouzardi, Isidore Bouzardi, nous n'avions pas rendez-vous à Milan demain très tôt. J'ai préféré qu'on se voie. Et vous avez bien eu un message de ma secrétaire. Mais c'est-à-dire, je ne l'ai pas su, j'ai été assez bousculée, je suis difficile à joindre. Mais par bonheur, je vous ai vu de la fenêtre, alors je... Ah, bah, oh, mon Dieu, mes affaires sont dans le train. Monsieur Bouzardi, je reviens, attendez-moi. Maestro Spadini, eh oh! Eh, on ne part plus, descendez! Mais comment ça? Vite. Je ne peux pas descendre, je suis en pyjama. Ah ben voilà, ça vous apprendra à être trop impatient. Mais qu'est-ce que je vais faire à Milan tout seul? Ah ben ça, oui, je me le demande, c'est idiot. Ah mais vous pouvez descendre à Florence. Ah bon? Non, le mieux c'est d'aller à Milan et puis de prendre un avion et de rentrer à Rome. Un avion? Ah oui, c'est plus sûr, un avion. Oui. Ah mais surtout, pensez à prendre mes bagages. Les bagages... Vous n'avez peut-être pas d'argent sur vous, tenez. Vous me les rendrez après. À votre retour, téléphonez. On s'offrira une soirée terrible. Au revoir, chérie. Et soyez bien sage. Ciao. Oh, la salope. Drôle de châssis. On a du boulot. En voilà pour encore un mois. Regardez-moi ça, comment on va s'enquêter maintenant. Alpheta GTI 2000, coffre et essieu avant. 431, porte-bagages enfoncé et avant droit. BMW 3500, radiateur, réservoir, transmission, suspension et batterie. Total 16 bagnoles esquintées. Bravo. Tu vas palper du pognon. Alors, 10%, ça nous... Non, 15 pour moi. Oh, eh ben, belle. Tu vas fort, hein? 15%. Enfin, on ne peut rien te refuser. Quand même gourmande, 15% sur 12 millions, ça te fait 1,8 million. Et j'en tiens pas la compte. Ah, donne-moi 2. Bah, tu veux ma mort, dis donc. Mais non, je te connais, tu peux, ça te ruinera pas. Hein? Il est provisionné. Oh, bien sûr, c'est pas à toi que je ferai ça. Tiens. Merci. Bon, ben à la prochaine. Oui. D'ici une vingtaine de jours, il faut d'abord terminer tout le boulot. Attends voir. Le planning. Oh, j'ai pas mal de travail cette semaine. Oh, mais ça va m'occuper seulement dans Rome. Mais la semaine prochaine, par contre, je serai à Milan. Ah, ben je te téléphonerai de Milan, ok? Oui, et ne me laisse pas choisir. Mais non, sois tranquille. Mais pas ici, on me connaît trop. On peut se voir à l'atelier de réparation de ton frère, non? Oui, c'est une bonne idée. Je vais le poigner, range que tu peux. Merci, bye bye. Sois sage.